To confirm tracking, touch each segment with your controller. Salut à tous, c'est Philest 3099 ou Aiden Show. To confirm tracking, aujourd'hui, touch each segment with your controller. On est sur le jeu Firepoint, qui est sur le VR. C'est un jeu que vraiment, ça fait un petit bout qui est sorti. Perso, comme vous voyez, il y a la manette gun qui ressemble à ça. En vrai, c'est ça, il ressemble à la manette gun. Je vais vous montrer. De même, mais dans le jeu, tu as l'air d'un vrai gun. Ça, le gun, Firepoint est sur PlayStation VR. Ça prend le VR, la caméra, puis le gun VR ou les PlayStation Move de PS4. Et le pack ensemble avec le gun, il est très utile. Oui, pour... Attends, je vais baisser le son. Oui, pour jeu, mais tu peux l'utiliser dans d'autres jeux VR. Comme, admettons, les jeux de gun. Comme, admettons, exemple, récemment, il y avait Arizona Sunshine, tu peux l'utiliser si je ne me trompe pas. T'as aussi, il va y avoir un jeu, ça s'appelait un affaire de zombie, là, ou un affaire de même, tu pourras l'utiliser. Puis un autre jeu de tactique, genre, tu sais, Call of Duty. Mais tu pourras l'utiliser, c'est comme tu pourras utiliser les guns ou les PlayStation Move. Mais perso, moi quand j'ai un accessoire, faut que t'aies la sensation de jouer habiter mieux. Comme le gun, tu sens mieux que tu prends des PlayStation VR, tu en as un qui sert à viser, puis l'autre à tirer, puis faut que tu fasses ça de moins. Là. Tandis que le gun, ben il ressemble vraiment à ça. C'est quand même cher. Le jeu il vend séparément. Si tu veux, mais aussi, il faut aller PlayStation Move. Ou tu peux l'acheter avec le mode de, avec le gun puis le jeu. Qui est un peu plus cher, mais c'est un vraiment un vrai jeu. Je vais vous raconter pas plus l'histoire. Je vous raconterai l'histoire. Ben, vous racontez un petit coup. C'est que. Ah, oh, vous allez voir. To confirm tracking, touch each segment with your controller. Setup complete. Thank you. Ah ouais. Je croyais que c'était le fond. Et voilà, ressemble notre gun. Ça me fait penser au style Halo. Ça fait vraiment penser à ça. On peut pas tirer avec, mais il est stylé, regarde. Une minute, c'était ça. Ça, c'est nos mains. Du coup, ça, c'est nos mains. Ici, c'est un hologramme. Avant le gun, je vous ai montré, là, on est dans un vaisseau spatial. Ça bouge tout le temps, par exemple. Ouais. Là, on n'est pas très grand, mais je pense que j'aurais dû monter parce que je peux décider d'attendre. Bah, tu vois, on voit, mais c'est fucké. Putain, je vais essayer de vous montrer. On est de même, puis on voit dedans aussi. Du coup, ça. De ça, le gun il ressemble à ça. Mais tantôt, il ressemblait pas à ça. Ça fait vraiment bizarre. Ok, ouais. Story, coopérative, challenge, cinématique, setting. Tune, mode. C'est en anglais, j'essaie de traduire ça. Tune mode, shoot speed. 180. Stick normal, vibration full. D'abord, medium. Low. Off. Full, ça vibre en mot, t'as dit. Je vais mettre de l'eau. Stick normal. Normal. 300. Turn du 300. Bah, on va l'activer au cas où. Turn speed 3, 2, 0.
Dommage, j'avoue, c'est pire. Ouais, pas pire. Et player skin. Ok, je bleu. On va mettre bleu. Et audio. Ok, c'est bon. Non, c'est tenue. Contour. Coopérative, challenge, cinématique. Ok, ouais. Vous voyez, les amis, c'est tout ça. Là, du coup, je vais revenir. Si je trouve mon affaire. On est retour, on va faire le mode histoire. Il y a une coopérative, challenge, une cinématique. On va commencer le mode histoire et je vous reviens. Regardez, ce gun est vraiment sérieux. Hein. Je peux tirer, mais il y a un viseur. Mais non, ça scanne les hologrammes, mais vous comprendrez plus tard. Et on commence le mode histoire, les amis, vous comprendrez bien. Nerveux de projet. Hello, planet Earth. I'm Eva Tyson, one of the 230 scientists and engineers stationed up here on the Pilgrim. Regular viewers of this live feed. Notice, I am not in my traditional t-shirt and socks. I am in a spacesuit. And that is because today, I am going home. And joining me on that homeward flight is one of my colleagues, Dr. Grant Moon. Hi. It's actually pretty incredible because we've both been aboard the Pilgrim for 3 months. But because there are so many people up here studying the anomaly, this is actually the first time that Dr. Tyson and I have met. So? Hello, Dr. Tyson. Oh, hello, Dr. Moon. I'm sure it goes without saying. I'm a specialist in a branch that applies the laws of physics and chemistry to analyze the genesis and demise of various nebulae in the universe. Observable objects, atomic particles, all the way up. Pretty much anything on the Candela and thermodynamic temperature scales. It includes aspects of astronomy and cosmology as well, but it's actually more complex than that, so... He's a star expert. Yeah, you know, using that would save a lot of space on my resume. It really would. And for those of you who are new to this, our ship is here to analyze a very special wave of radiation. We're all here just for that. Now, the universe is full of solar radiation, but what makes this radiation so special is that it has no discernible source. Masses of energy pouring into the universe from nowhere. So you can see why we're all so fascinated by it. Limitless energy. Forever. Now, if we look out the window, you should be able to see the shuttle that's coming to pick us up. The Wanderer. Named after the poem. Wanderer returns. And if we link to the pilot's POV camera, you'll get a good view of the entire station, as well as the radiation anomaly behind us. And if we're lucky, we should just be able to see the Big Dipper off to the side, too. Here we go. Voici notre vaisseau, les amis. Regardez. Perso, le jeu est en anglais, c'est pour ça. Wanderer, this is Pilgrim. We're ready for you in the airlock. Please activate your auto-docking sequence. Roger that, Pilgrim. This is Wanderer. Auto-docking sequence engaged. Thank you, Wanderer. You're looking good.
Wanderer, we're having some difficulty syncing with your docking gear. Your guidance system will take care of your side, but I think we're gonna need a second over here. Roger that, Pilgrim. Waiting on you. That's it. Keep it coming. Wait. The sync is still not working. We're gonna try a manual reboot. Stand by. Pilote pas, c'est automatique. Still nothing. Command, any different on your end? This is Command. Now we got the same reading here. No sync. We need an engineer to go out and fix the docking mechanism. No, it's not a big deal. Wanderer, we're in our EMU suits. We can just open the airlock manually and boost over to you. Dr. Tyson, I'd rather do this by the book. This is by the book. Look, we tether to the Pilgrim, boost over to the shuttle, reattach there, release the first tether. It's a simple walk. If we wait to schedule an engineer, we'll be stranded here another week, and the Wanderer will be stuck waiting out there. Are you married? That is not a useful question here. Well, there are people I want to get home to, so... Command, does this sit right with you? Tethered walk is okay with us, Dr. Moon. Your call. Okay. Wanderer, please maintain your position and prepare for manual boarding. I guess we're taking a walk. Roger, holding position. Ça, c'est eux autres qui vont sortir. So your name. It's, seriously, Dr. Moon. Et ils vous racontent pas après, là. But for all the playground teasing, look where I am right now. Je vous raconte pas. Look at it. 60 yards out. Wait. What the hell is that? Pilgrim, this is Eva. Are you seeing this? Oh my God. Pilgrim, do you copy? Do you see this? We gotta move. What is it doing? We gotta move now. Wanderer, open your outer airlock. Okay, let's move. There's a... Eva, cut your tether. Me. Cation. Interrompu. Help me. Boosters, full power. Wander, don't leave us. Jack. Ow. Brace for impact. Cass, location report, now. Désolé les amis, il y avait une grosse fréquence. Analyzing atmospheric composition. 23% nitrogen, 2% oxygen, 12% helium. Warning, 63% unknown elements.
joystick to move forward. Ouais. Désolé les amis si vous rapportez pas les... Le tournoi m'a inspiré. Regardez le gun. Ça c'est pour scanner. Regardez si j'avais visé ce caillou. Par exemple pour recharger, je sais pas, dans Call of Duty c'est carré mais... Je sais pas si c'est ça. Non. Pilgrim, this is Wander. Come back. I say again, this is Wander Actual. Pilgrim, do you copy? C'est une planète inconnue, les amis. Il y a beaucoup de gens. Désolé. Ah, mais du vent, c'est plus... j'ai beaucoup chaud, les amis, c'est pour ça que j'ai parti mon ventilateur. Puis, pour vrai, c'est la meilleure sensation parce que là, dans le jeu, il y a du vent, puis là, il y a du vent. Alors, c'est comment tu vois? C'est pas très grand en plus. Ah, pff, musique. Mon casque. Le fil de mon casque, il va tirer. Je vais tirer dessus, sans faire quoi. Assault rifle. The UEP assault rifle is the standard issue rifle for UEP personnel. It provides
provides a high rate of fire and unlimited ammo, but can overheat. Keep an eye on the integrated heat gauge. Mais c'est pour canner. Je sais pour je sais pas pourquoi. L'autre c'est tiré. Ah ouais, ouais. Dr. Moon, Dr. Tyson, this is Wanderer. Do you copy? Ce son aussi parce que je veux pas avoir peur des ennemis. Regardez comme c'est beau, les amis. Bah, beau, c'est une planète bizarre. Ouais, je croyais ses amis. Normal, c'est tranquille. Plus tard, il va y avoir des ennemis. Je suis chien de regretter. Alert. To assist holographic file recovery, please locate and scan all fragments. Press the highlighted button to scan the area. Le but c'est de les retrouver. They're alive. Dr. Moon, Dr. Tyson, if you can hear this, stay where you are. I'll find you. Ce sont encore que genre s'il y a des ennemis et puis il me fait peur c'est pas mieux. Waouh. On va voir ça en rejet. Bon, les amis, on continue. Ouais, et puis il y a mes écouteurs qui me nuisent depuis tantôt. Oh, je m'en gonne.
Is someone there? Ça fait vraiment pas. En plus, on est un homme en plus. La visibilité est pas de fameux. Oh putain. Oui, c'est vrai. Ça fait pas cette affaire-là, t'as envie de t'attaquer. Désolé, j'ai frappé mon casque VR. Mais ça fait pas. Les genres de régner. Ah, ça me fait peur aussi. C'est qui fait peur, ces affaires-là. Je vais faire partie là, puis ensuite je vais aller dîner. Que je suis tanné. Les bébés tard. Ta gueule! Hey! Hey! Ta gueule, les araignées! Ta gueule! Oh putain! Purée! Cass, log this. Locate and scan all. Je vais scanner ça et on va voir. Vous attendez sûrement pas très bien, je vais monter ça. Puis pourtant, ils ont pas de gun, hein. Bah, moi qui n'en, mais. On est vraiment dans le futur, hein. Rendu, tu as des guns qui peuvent visualiser les personnes. Désolé, mais. Normalement, il n'y a pas d'autres ennemis, mais bon, j'ai eu peur. Mais ben, c'est ça. Parce que les amis, je sais que j'ai eu l'air d'avoir peur, mais un casque VR, c'est pas pareil. Genre, t'as un bébé qui saute dans la face. Ça, on dirait un film d'horreur, mais version. Version jeu. Surtout quand tu vois rien. Ah putain. Oh merde. Du coup les amis, on va s'arrêter là.